c'était la fin de Hello Neighbor? Eh ben pas du tout! Eh bien bonjour à tous! Les amis, c'est Bon Jumper, j'espère que vous allez bien! Écoutez, moi ça va être nickel comme d'habitude! Et aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Hello Neighbor, mais un petit peu spécial, hein, parce que comme vous le savez, on a effectivement découvert le secret il y a un moment de cela, hein, sur Hello Neighbor. On avait donc fini le jeu, et on se doutait très bien que le voisin, au final, était un petit peu hanté, hein, par un petit maléfice, ou je ne sais pas quoi, en tout cas une vraie malédiction. Et les amis, aujourd'hui, je suis déjà très content de vous retrouver pour Hello Neighbor, mais pour du Hello Neighbor modé. Et les amis, vous avez bien entendu modé, c'est-à-dire Hello Neighbor avec des mods. Est-ce que c'est possible? Et ben j'ai envie de vous dire oui, parce que comme vous le voyez en haut à gauche, effectivement, alors ce n'est pas un ajout au montage, hein, sur la vidéo ou quoi que ce soit. Vous voyez un espèce de petit zéro avec une espèce de petite pièce d'or. C'est pas un bouton ou autre. Ah non, non, non. Et bien figurez-vous que j'ai trouvé le moyen, alors qui est quand même assez complexe, c'est de modder tout simplement le jeu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mods qui sont disponibles que vous pouvez trouver bien entendu sur Google. Alors c'est encore assez compliqué de modder Hello Neighbor, mais il fallait que je découvre ça avec vous. Et les amis, aujourd'hui, on va devoir tout simplement cambrioler un petit peu notre voisin. Parce que donc, hein, la petite monnaie que vous voyez en haut à gauche, hein, c'est tout simplement un mod qui ajoute une nouvelle personne. Et oui, alors attention, on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, oui, alors ça, oh là là, tant de souvenirs. À chaque fois que je reviens là, ça me, tu vois, ah, ça fait des frissons, hein, tu vois, là, t'as le siège qui tremble et tout, tu vois. Mais plus sérieusement, ça me fait super plaisir de revenir là. Et les amis, du coup, on va découvrir ce mode ensemble, là, qui permet tout simplement, et bah, de construire notre maison. Voilà, hein, de la remplir avec des objets ou autres, et en volant tout simplement, bah, notre voisin, hein, en lui volant des objets et en découvrant qui sait peut-être d'autres secrets qu'on ne connaît pas, étant donné que ce sont des mods qui sont ajoutés. C'est pas forcément officiel, mais vous allez voir que c'est vraiment pareil que dans le jeu. C'est génial, franchement c'est extraordinaire. Donc, alors on a plein de petites pièces qui sont, bah, regardez sur la route, hein, voilà. Donc on a pas mal de petites choses, on a un catalogue, ok. Alors par contre, comment j'ouvre ce catalogue? Alors, oh, alors j'ai l'impression que ça a ouvert, alors ça a marqué. Ah, peut-être qu'il faut que je me mette dedans. Alors j'ouvre le catalogue, mais bon, ça n'a pas l'air de très très bien marcher, hein, ce catalogue là. Alors où est-ce qu'on doit aller? Oh, il y a une nouvelle habitation. Il y a une nouvelle maison! C'est un magasin, shop! Oh, c'est trop stylé! Il y a vraiment une nouvelle personne! Oh là là, tu es mastoc, toi, dis donc! Tu vas à la musculation de tous les jours ou quoi? Oh là là, on va l'appeler Robert! C'est génial! Mais c'est trop cool! On a vraiment l'impression d'être dans un nouveau Hello Neighbor, quoi, une fois de plus. Oh, les mods, c'est vraiment génial! Voilà. Et en plus, attends, c'est pas le petit mod, hein, qui t'ajoute, je ne sais pas, un nouvel objet ou autre. Non, là, c'est carrément, t'as une nouvelle aventure, quoi! Ok, donc je vois qu'on a une caméra là, on a. Donc, buy et sell, ok, donc pour vendre, c'est quoi ça? Vendre, ah, c'est donc ça le fait de cambrioler le voisin. Oh là là, alors déjà le pauvre, hein, on l'a pas mal embêté la fois dernière et tout au long de l'aventure pour découvrir son secret. D'ailleurs il se barre, il en a marre, il fait, oh je me casse moi, tu vois, j'en ai marre, attends, il infiltre tout le temps à la maison et maintenant il veut me voler. Alors je pense qu'à mon avis c'est bien ce que j'avais cru voir, c'est à dire qu'on peut voler le voisin et bah écoutez, acheter des trucs, c'est génial. Donc du coup, bah écoute, direction, je sais. Ah, d'accord, il surveille la route. Allez, vas-y, on y va. On en profite. Alors, on peut vraiment tout prendre ou comment que ça se passe? Ah, ça fait trop plaisir de rejouer à Hello Neighbor. Oh là, et si on pourrait découvrir un autre secret, ça sera encore mieux. Alors, on va essayer. Attends, est-ce que je peux vous me racheter ça ou pas? Fais voir. Non, il a... alors, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il. Oh, si! Yes! Il rachète ça aussi, quoi. Mais non! Mais c'est génial! Alors, est-ce que ça vous le rachetez aussi? Ah, vous avez pas. Ouais. Et ça? Oh, il rachète même les poubelles. Non mais c'est excellent. On va, par contre, je pense qu'à mon avis il y a un certain prix, bon, par rapport, on va pas se mentir, clairement un sac poubelle, voilà, ça vaut pas grand chose. Peut-être que si je lui vole à notre voisin, notre méchant voisin, des objets de valeur, peut-être que dans ces cas-là on va pouvoir effectivement, je ne sais pas, obtenir des meilleurs items. Alors par contre là il y a un truc à 4$. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai acheté une banane. Oh, génial. Mais c'est génial. Et il peut glisser dessus. Ah, par contre, est-ce que quelqu'un... Vous pouvez me rembourser parce que... Ah, vous, la maison fait pas de remboursement. Bon, d'accord, bah, excusez-moi, je ne savais pas que cette banane avait qu'une seule utilité, tu vois. Bon, bah écoute, on va aller chez le voisin, on va essayer de pas se faire attraper quand même au passage. Alors... est-ce que je peux... Non, là, ça va être grillé. Bon, on va passer de l'autre côté, hein. On va... Vous savez quoi? On va passer... Ok, c'est ouvert. Nickel. Allez, on passe là. On va passer ici et on va... Oh, des pièces! Oh, il y a plein de monnaie! Excellent! Mais c'est trop bien comment il a, comment le modeur il a planqué les pièces et tout, c'est génial! La tourneuse! Je peux pas me faire attraper, je peux pas me faire attraper! Ok, oula, le saut qu'il vient de nous faire! Non, non, tu peux pas venir là! What? Quoi? Il peut traverser la route maintenant! Mais non! Alors j'ai vu qu'il y avait une pièce là. Mais c'est dingue, il peut traverser la route! Mais j'y crois pas! C'est une nouvelle, c'est une nouvelle qualité là qu'il a complètement! Alors la tondeuse, est-ce qu'on peut vendre la tondeuse? Non! Non, 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 s'il vous plaît! Non!
Ok, c'est bon. Il vient, c'est bon, il m'a pas suivi. Alors attends, je vais vendre la tondeuse. Fais voir un petit peu, tu me la vends pour combien? Tu me la vends pour une pièce? Mais c'est une pièce à chaque fois ou quoi? Bon, alors attends, on va économiser pour avoir 10$. Ok. C'était quoi ça? Ok, d'accord, bon, bah, il collectionne des trucs bizarres, lui, hein. Oh non, 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 il est où? Je le vois pas, ah, il est là-bas. Ok, regardez, regardez, on voit sa petite tête. Et on voit sa petite tête. On va passer de l'autre côté, hein. On connaît bien la maison, hein. C'est mort, hein. Tu ne peux pas nous la mettre à l'envers, hein. Je te le dis, hein. Moi je connais bien. Alors attends, les cartons, est-ce qu'on activerait pas? Non, on va pas activer ça, on va lui voler un lampadaire. Normalement, il va venir. J'ai peur, ah. J'ai peur. Vite, c'est mon lampadaire. Vite. Non, c'était mon lampadaire. Mais attends, normalement je l'ai gardé. Yes. Oh yes, je l'ai encore. Oh c'est cool. J'ai le lampadaire, j'arrive avec. Par contre on voit que dalle. Ah, attendez, on va voir si le voisin il peut me rattraper deux fois d'affilée là quand même. Parce que là, je vois rien. Ah, c'est mieux comme ça. Oui, non, parce que là de nuit on voyait vraiment rien du tout. Alors le lampadaire, pour combien je peux vendre ce lampadaire? C'est toujours une pièce d'or ou comment que ça se passe? Fais un petit peu. Ah ouais, c'est toujours une pièce d'or. Bon, bah c'est un peu l'arnaque de son truc. Bah tiens, regarde, vas-y, un sac poubelle. Allez, à ce niveau-là, autant vendre les cartons, hein. Ce sera un meilleur business, hein, c'est clair. Alors 10$, tu me vends quoi pour 10$? Ah, c'est... Ah, c'est devant, ce que tu me vends, c'est pour devant. D'accord. Alors attends, y a pas des pièces dans ma maison, parce que j'ai cru voir des pièces. Fais un petit peu. Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? What? J'ai pas tant de pièces que ça. Il me manque des trucs dans la... Alors j'ai vu qu'apparemment, on pouvait tout simplement, donc, comme je le disais, regardez, agrandir la maison. Là, on voit bien que... non mais la télé elle tient même plus quoi. Et le catalogue il sert à quoi? Alors open. Alors ouais mais là je me suis fait carotte Oh c'est trop stylé. On peut acheter des décorations pour notre maison. Mais c'est trop cool. Oh c'est trop trop bien quoi. Alors 5 pièces d'or. Oh il fallait acheter le catalogue quoi. C'est Non mais c'est dingue quoi, c'est l'arnaque. Ok alors attends, alors là mon pote. Alors là, je... Non mais en plus c'est débile parce que j'ai plein de trucs ici. Bah attends, on va vendre tout ça. Bon, le mieux quand même, ça serait d'aller récupérer directement des pièces. Pas des places, hein, mais des pièces. Directement, j'ai envie de dire, chez le voisin, pourquoi pas. Tiens, on va les poser toutes là-dessus, hein, ça sera plus facile. Voilà. Et du coup, ça fait que... C'était juste pour tester, et après on ira directement chez le voisin, tu vas voir. Et du coup, si je veux acheter... non, la balançoire. Je veux la balançoire. Alors, on va vendre la valise. Non, j'ai besoin de ma valise. On va vendre la théière. La théière et la planche à pain. Voilà, la planche à pain, j'en ai pas besoin. Voilà, tiens, on va poser ça là. Hop, on le vend. La planche à pain. Voilà, on récolte ça. Hop. Et du coup, on va acheter la balançoire. La balançoire, vite. Hop. Un petit peu. Attends, comment ça marche? Oh, trop cool. Oh c'est génial. Bon ok. Alors maintenant direction on va pas prendre ça. Tiens ça, on va prendre le carton. Direction la maison du voisin. Alors on va essayer de récolter un maximum de pièces. Oh là là, il est aux aguets, hein. Il est vraiment aux aguets, hein. Oh carrément, il saute par la fenêtre et tout quoi. C'est vraiment il a pas le temps de niaiser quoi. Ok, on va passer par là, hein. Il m'a vu. Bien sûr qu'il m'a vu. En plus j'ai même plus les compétences pour être invisible, ah. Je ne peux plus être invisible avec ma technique. Elle était tellement bien cette technique. Attends là, il va me voir. Il m'a vu, ok c'est pas grave, moi je monte direct. Alors est-ce qu'il a la technique pour grimper? Attendez. Oh oui, ah. Saute. C'est pas le moment de déconner, ah. Ah. Vite. On va mettre ça là, ah. Il m'aura pas. C'est bon, j'ai des pièces. Et ouais mon pote. Ok. Nous sommes de retour ici. De retour en enfer. Ah, c'est verrouillé. Ok. Verrouillé. Ok, bon. Tout est verrouillé. Alors, normalement, il y a un panneau. Hop, je crois que c'est celui-là. Regardez, celui-là, il permet d'ouvrir. Voilà. L'accès secret. Alors, je vais pas... Comment ça, tout bousculer. Bon, je pense que, vu le... Tout le bruit qu'on est en train de faire, clairement, il nous a entendu. Alors, est-ce qu'il y aurait des pièces ici? Ok, déjà, on va enlever cette chaise. Il y a pas de pièces. Y'a pas de pièces! Y'a pas du tout de pièces! Alors, je parle pas des pièces, les sales quoi. Hein. Je parle bien sûr des, des pièces directes. Hein. Ok? Y'a pas l'air d'avoir de pièces! Est-ce qu'il y en a. Oh! Des ballons de basket! Oh, c'est la technique ça! Ok, on a ce truc là ici aussi. Ah oui, je me souviens de ça! Ah, c'est chaud ça! On va passer là. Et en vrai, on pourrait même faire les secrets et tout, hein. C'est ça qui est fou, hein. C'est vraiment, t'as toute l'histoire et tout, tu peux tout refaire, c'est excellent, quoi. Bon, tu sais quoi? Allez, on va prendre des cartons. Tiens, le parapluie. Le parapluie du voisin, allez, on va vendre le parapluie du voisin. Vous savez quoi? Tac, on va descendre là, on va enlever les chaises. Oh, le gâteau.
J'ai pas ouvert la porte, hein, j'ai pas demandé. On va enlever la chaise, voilà. On va prendre la chaise, le carton. On va le prendre, on va prendre le gâteau. Le gâteau du voisin. Ok, le gâteau du voisin, normalement ça passe. Non, ça c'était mon seau. Attends, on va enlever une chaise. Ok, on va enlever la caméra de surveillance. Voilà, c'est réglé. Ok, très bien. Bon. Je pète ça. Il va venir. Vite. Ok, c'est bon. Yes. Ok, bon. Alors, on a eu 0 pièces. Par contre, alors, est-ce que tout se vend pareil ou pas? Fais voir. Combien je récolte pour ça? Ok, une pièce. Bon, on s'en doutait. Et là, pour ça. Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que vraiment tu ne veux pas autre chose? Bon, très bien. Bah, en fait, je peux tout lui vendre. Hein. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es un peu obligé d'aller chercher ces objets-là parce que, bah, au bout d'un moment, c'est simple. Tu peux plus rien acheter. Hein, donc, c'est un peu logique. Tu vois ce que je veux dire? Et attendez, j'ai en avoir une idée. Attendez. Regardez, il cherchait cette petite terre. Là. Ouais, le voisin, il est en train de péter un câble. Hein. Regardez, il allait dire en plus. Alors, j'ai vu que, regardez, est-ce que c'est pour l'acheter? Vraiment 10 dollars alors que je viens de la trouver dans la cuisine? Tu es fou de moi? T'es sérieux? Alors, attends, et si je la vends? Il va me la vendre pour 1 dollar, tu vas voir. Tiens, regarde bien l'arnaque. Regarde ça. Fais voir. Et voilà, t'as vu? Hein? T'es sérieux là? Est-ce que t'es... Non, parce que là, c'est vraiment que pour acheter, quoi. Oh, c'est un arnaqueur, quoi. T'es un peu un arnaqueur, toi, on est d'accord, hein. Parce que bon, ça, c'est quoi, ça? C'est un... Après, il y a peut-être des objets, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas comme si on en avait vraiment besoin, j'ai envie de dire. Bon, alors du coup, si j'achète d'autres objets, est-ce qu'il va me permettre d'obtenir des objets un peu plus rares? Je sais pas, attendez. On va lui vendre un carton, comme ça je peux acheter le truc à 6 dollars. Tac, on va déposer ça là. Voilà, clairement. Et là, du coup, je peux acheter ce truc là. Allez, vas-y, vends-moi ça. Quoi? Ah oui, j'ai pas récupéré la pièce. Oui, forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai la pièce. Et là, du coup, si j'achète ça. Ah ouais! Ah, ça c'est pas mal! C'est pas mal du tout, parce que du coup, ça se trouve, si jamais, hein, je dis bien jamais, on a besoin d'un parapluie, peut-être qu'il peut nous le vendre! Eh oui, peut-être, mais à force d'acheter les objets, c'est un petit peu au hasard, je pense. Hein, comme là, regardez, on voit qu'ils vendent. Ils vendent le requin? Pourtant, ce requin-là, normalement, tu peux pas le trouver, hein, tu vois. Mais voilà, bon, du coup, là, je vais récupérer qu'une pièce, hein, bon, ça pue l'arnaque complètement. Mais c'est vrai que ça peut être pratique si jamais tu perds ton parapluie. Là, au moins, t'as la possibilité, effectivement, de pouvoir récupérer quand même les choses. Ça, c'est quoi, ce truc-là? C'est 20 pièces. Ah, c'est pour le champ de tomates. D'accord. Et en fait, tout à l'heure, quand je disais qu'en fait, il avait besoin d'acheter le catalogue, mais c'est faux. Hein. C'est juste que, regardez, je l'ouvrais et je le fermais à chaque fois. C'est juste que, bon, j'avais pas fait gaffe que derrière, ça affichait les trucs en question. C'est juste que, voilà, j'ai rien vu. Ah, c'est avec la couleur, tu vois, j'ai rien vu du tout. Oh, il m'a pas vu. Doucement. Ok, c'est bon. On se bat. Oh, il y a des pièces encore en bas. Je me demande si ça donne pas, ça fait pas apparaître d'autres pièces à d'autres endroits en fait. Ok, là c'est fermé. Bon, ça on va pas y toucher. Je pense qu'il est retourné dans son salon. Ok, on va dans la salle de bain. Il y a des pièces. Ok, la salle de bain qui est là normalement. Ok, alors ouais, on va enlever cette chaise là. Hop, on enlève la chaise. Ok, c'est bon, c'est plus bloqué. Bah, elle sert à rien sa caméra là. Elle regarde dessus. Ah, quoi que, ouais, c'est intéressant, ouais, de mettre ça comme ça. On va voir ça. Est-ce qu'on va débloquer un truc? Oui, on va enlever la chaise. Je veux trouver un maximum de pièces. Oh, une pièce dans la baignoire. Yes. Ok, nickel. Bon, alors maintenant, la technique, ça serait de trouver. Ah non, ferme pas. Bon, c'est pas grave. Ça serait. Attendez, on va prendre une chaise. On va prendre un autre carton. Oh, la clé. Elle clé. Ok, la clé là. Ok, on va passer ailleurs. Normalement, je peux débloquer la porte là, ouais. Nickel. Ok, ça c'est fait. Voilà, très bien. On vendra la clé. Oh, il y avait pas la pièce là tout à l'heure. Bah, ou alors je l'ai pas vu, hein. Mais je suis complètement passé à côté, donc c'est faisable que je l'ai pas vu, mais. Oula, c'est pas bon. Oula, c'est pas bon. Non. Cours. T'arrêtes pas, il est derrière nous. Oh là là, c'était chaud. Tiens, récupère ta clé. Hop là, et voilà. Tranquille, on va pouvoir grimper. Bon, ça va être bien. Ça va être bien. Alors par contre, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Quoique. Oh, c'est risqué. Bah ouais, c'était risqué. Ok, normalement, il va sortir derrière. Attendez, on va voir si on le voit. En vrai, ce serait la technique, hein. Attendez, gauche, droite. Bah, je parie pour la gauche. Gauche, droite. Peut-être au-dessus. Gauche. Oh, il y a des pièces là. Droite. J'ai bien ça. C'est bien ça. J'ai l'impression vraiment que ça fait spawn les pièces au fil du temps en fait. Quand on en ramasse. Ah, il m'a vu. Va pas dedans. Yes. Ok, on monte. Wouh. Et on monte avec une seule main en plus. Yeah, yes. Vite, il va venir.
Ok. C'est ouvert là? C'est ouvert. Bon, alors à mon avis. Tac, je sais pas si je peux aller chercher des pièces en dessous là. Est-ce qu'il y en a en dessous ou pas? Oh, il y a une pièce. Nickel. Je descendrai bien en dessous en fait. Ouais, allez, je tente. Ok, c'est good. C'est good. J'ai vu qu'il y avait... ça brille ça. Eh, ça brille. Eh, ça, regarde comment c'est doré, ça se vend cher, ça. Allez, attention, la pile de pièces. Eh, c'est quand même plus rapide de... oh non, pas cette salle-là. Ah, vite, vite les cartons. C'est bon, on a l'église. Alors, par contre, le voisin se calme pas du tout. Allez, il est un peu vénère quand même que je lui ai volé ses pièces. Hein. Il est en train de se dire, c'est bon, hein, t'as découvert mon secret, ça suffit pas, quoi. Bah non, maintenant, je veux les pièces. Je le vois. Ah, oh, c'est bon. Prends-le. Non, pas ça. Non, pas la lampe. Non, referme pas la porte. Non, on l'avait. Attends, on va la voir. Doucement. Doucement. Plus, enfin, moins doucement. Yes, c'est bon. Je crois que je... oh non, il y en a encore un autre. Allez, pousse-toi. On peut passer, là, je pense. On peut passer. Oh. Mais regarde. C'est pas possible, mon visage il est pas aussi grand que les cœurs de mes pieds quand même, mais c'est pas possible. Yes. Ok, c'est bon, on est passé. Ah, on se souvient. Oh, y a pas encore le tableau. Ce n'est pas encore la dernière mise à jour. Ou alors c'est différent parce que justement ce n'est pas le vrai Hello Neighbor, c'est un mode. Alors attends, donc normalement ce qu'on peut faire, on peut enlever ça. Ah, très bien, il n'y avait pas de vitre, effectivement. Et ouais, mais y a pas encore le tableau, mais y a quand même le câble. Ça veut dire que c'était prévu. Ah. Ok, c'est bon. Ne s'inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Alors, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'obtenir des pièces encore d'autres endroits? Non. Oula, j'ai cru que j'étais foutu là, tu vois. Bon, alors on va aller voir. Wow. Oh, j'ai un chauffeur. Oh, wow, chauffeur, mais vous êtes cinglé ici. C'est bon, je peux traverser? Possible ça, non mais. Alors j'ai vu qu'on pouvait carrément acheter un château d'eau. Et ça, c'est quoi ça? Ok, une... oh, non mais c'est sérieux ça? On peut vraiment acheter ça, quoi? Attendez, on va l'acheter. What? Mais sérieusement, quoi? Mais c'est fou, mais... oh! Ça fait quoi, ça? What? Attends, ça sert à quoi? Bon, à mon avis, c'est juste pour un truc à l'intérieur, vite fait, peut-être. Alors, je vois pas trop l'utilité, en fait, mais... mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, on va aller vendre ça. Bon, je pense que, clairement... ah, on devine tous que ça va se vendre une pièce d'or. Allez, vas-y. Allez, fais-moi pleurer. Voilà, allez, merci. Et la clé, si jamais je la vends... attends, une pièce d'or, la clé? S'il te plaît, c'est un truc qui me permet d'avancer dans le jeu quand même, hein. S'il te plaît, hein. Ah non, mais rigolez pas, c'est bien ce que vous êtes en train de voir, hein. Je suis réduit carrément à vendre des pots de banane, hein. C'est... oh, bah, ça vaut le coup. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, dans la maison du voisin, il y avait pas mal de pièces. Et je pense que plus on monte, plus on va en avoir. Donc, et puis, franchement, on en avait eu au moins une vingtaine, rien qu'en se baladant sans rien vendre. Donc, franchement, il y a carrément moyen, hein, surtout si t'as prévu de refaire l'aventure. Alors, là, pour le coup, là, c'est génial. Et regardez-moi ça, ce petit cachotier de voisin, là. Il avait caché une pièce dans le... dans son coffre. Ouais, mais comment? Ah, c'est bon, voilà. Fallait marcher sur carrément les pieds dans le coffre, hein, pour récolter la pièce, quoi. Non mais alors j'ai vu que on y avait un arrière au niveau de ce magasin. C'est quoi? C'est une décoration? Oh! Mais c'est génial! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? What? What? Mais non! Gold item, party hat, guitars. Hein? Mais non, c'est génial! Alors attends, donc si je récupère, admettons, oh le tank, je l'ai vu en plus tout à l'heure dans le truc quoi, une pomme. Et ça, alors si je récolte ça, peut-être qu'il y a moyen du coup d'obtenir plus d'argent. Party hat, guitare. Oh, excellent, gold item. Ouais, alors attendez, je reviens, il faut que j'essaye ça. Alors là, c'est obligé, là. Alors normalement, le chapeau de la fête, le chapeau de fête, il est là. Voilà, normalement, voilà. Donc j'ai la partie hâte, il me semble que c'est ça. Ça, c'est partie hâte, tu vois. Donc du coup, en plus, regardez, il est solide, hein. Regardez. Voilà. Hein, tu vois, c'est pas un petit truc en papier, hein. Il est en béton, le machin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a personne qui le met sur la tête. Ah non, hein, t'as un mal de crâne, à la fin, laisse tomber. Alors du coup, si je le prends et que je le... attends, je lui donne, je vais obtenir plus de pièces. Oh, ça peut être génial. Alors, partie hâte. Normalement, c'est deux pièces. Fais voir. Oh, trop cool! Oh, c'est génial!
YouTube item, par contre, je vois pas trop ce que ça peut être, mais pourquoi pas. Et là, du coup, on a encore d'autres... Ah ouais, on peut collectionner des trucs très très bien, ça. Partie ad et tout. Donc, du coup, tous les objets qu'on peut voir là, on peut obtenir une contrepartie en échange de ces objets. Voilà. Oh, des livres, ça, il y en a partout. Et ça, je suppose que c'est une balle de tennis. Et attends, j'ai une pomme pour toi, mon pote. Est-ce que tu rachètes les pommes ou pas? Parce que regarde, la pomme, elle est là, on est d'accord. Du coup, si je mets la pomme... Ah, d'accord. Il l'a pas... Ah, alors là en plus non seulement je peux pas la récupérer, mais en plus je me suis fait un petit peu arnaquer, hein. Donc en fait on est obligé de débloquer dans l'ordre tous ces objets, donc gold item, donc objet d'or, le VGN plush, le party hat, la guitare, enfin bon la guitare en plus qu'on obtient vraiment, pas tout de suite quoi, donc du coup bon bah très bien, non bah c'est noté, là bah y a pas de problème. Et bah écoutez, après avoir fait mes petites courses, on va pouvoir enfin terminer une partie de la maison, c'est-à-dire le salon. Alors du coup si j'achète le canapé, est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que j'ai le droit? Ou alors faut la table? Ah oui, faut aller à la table d'abord, d'accord, ensuite ça. Oui, ça c'est bon, ok, et le canapé. Et ben voilà, regardez. Et on sent un petit peu plus chez soi quand même là, non? Et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo Hello Neighbor modé. J'espère en tout cas les amis que ça vous fait super plaisir. Déjà d'une que je vous retrouve pour Hello Neighbor, mais en plus, énorme surprise, Hello Neighbor modé. Franchement le truc qu'on ne s'attendait pas du tout à voir. Donc pour le moment ça reste encore quelque chose de très spécial à faire au niveau de modé tout simplement le jeu, parce qu'il n'est pas encore possible de le modder via Steam. Mais on croise les doigts pour qu'un jour peut-être les modes soient directement disponibles sur Steam, hein, avec le workshop, hein, bien sûr, comme pour Ark ou d'autres jeux, bien sûr, hein, qui sont disponibles sur Steam, pour le modder plus facilement. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura fait super plaisir de vous retrouver pour le Neighbor, avec en plus cette petite surprise en supplément, les amis. Et ça me ferait extrêmement plaisir que vous bombardiez cette barre de pouces bleus, ainsi que vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, bien entendu, et me dire ce que vous pensez justement de l'arrivée des modes sur Hello Neighbor. Et on voit bien que le voisin là-bas croise les doigts, enfin les bras plutôt, là-bas il nous regardait par la fenêtre, mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il raconte lui là-bas encore là. En tout cas les amis, sachez que je suis toujours en train de chercher pas mal de petits modes permettant d'ajouter des nouvelles zones de Hello Neighbor, et des zones vraiment très très bien foutues, tout comme le jeu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez revoir des modes sur Hello Neighbor, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. En tout cas merci beaucoup les amis, c'était VoJumper, le gentil voisin, et je vous retrouve très bientôt pour du Hello Neighbor modé. C'était VoJumper, ciao les amis.